Hey, checkpoint, ça fait plaisir. On va complètement devoir courir. Oui, bien sûr. Theta Surface Laboratory, maintenance, transport. Ok, la question c'est comment est-ce qu'on va là où on veut aller. Stromer, Brad, where are you? You got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pull the connector chip from the lock. Why? That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just have to be the hero, you bastard. Good luck, sir. Tell Alice. Ok, donc il y a une puce à mettre là-dedans. Insérer la puce de connexion. Il a pas dit où était la puce de connexion. Si, il a dit où était la puce de connexion. Stromer, Brad, where are you? You got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pull the connector chip from the lock. Why? That means you. Non. Il est juste qu'il a retiré la puce. Mais il y a du sang pour savoir où est-ce qu'il est. Alors allons chercher. Putain, il a morflé. Il est par là. Faut un truc genre lourd. C'est pas du tout lourd ça, mais c'est pas grave. C'était pas assez loin la dernière fois, mais on va prier. Merde. Pas une porte quelque part. Non, y a pas de porte quelque part. Shit. Ok, là y a un truc pour me soigner, ça c'est cool. C'est franchement dégueulasse. Ça, c'est une boîte de conserve. Ça a l'air lourd. Sérieusement? Ça, c'est pas assez lourd, je comprends pas. À balancer là. Sure, the Ark makes it. Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers looked better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Sa mère. Putain, faut juste un. Elle veut pas se péter cette vitre, hein. C'est ouf. Un truc pour péter la vitre. Pas un truc lourd quelque part. Un truc massif.
Un extincteur. Un extincteur quelque part. Sérieusement, c'est... on vit dans un monde où il n'y a plus d'extincteur, c'est ça? Charge utile. Cool. Je suis... perdu. Voilà, il y a un truc pour soigner aussi. Oh sa mère. Il marche avec beaucoup trop de détermination, je suis désolé. Putain, et si nous voit, on est tellement mort, on n'a aucun endroit où fuir. Il nous rattrape. Qu'est-ce que je fasse, moi? Bien sûr qu'il est là. Bien sûr qu'il sait déjà où on est. Bâtard. Je le hais. Salle de conférence. Ça a l'air très très intéressant tout ça, hein? Laboratoire médical. Tu qui se balade là encore. Va mourir. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Porte les plus bruyantes du monde. Salle d'examen. Oh! Mais c'est immonde. Va mourir. Putain, j'ai aucun moyen de savoir d'où il vient là. C'est la mort. Je suis encerclé par des accès de partout. Et on répète, il peut ouvrir les portes, hein. Que je m'en foute et que je les ouvre toutes. Sa mère. Toi, tu as l'air très heureux.
Terry Hackers. Terry Hackers, 16 janvier 1104. C'est l'un des pires cas que j'ai vu, mais il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il s'est bouché les intestins avec du gel structurel. Je doute qu'il se réveille un jour du coma. Cela m'a rappelé la triste histoire de Hart à Lambda. Serait-il possible que le Vao soit capable de modifier et de reconstruire le corps humain? Hart semble plutôt en forme compte tenu des circonstances. Elle ne souffre que de quelques confusions et d'une légère hypothermie, due à la longue marche qu'elle a dû faire. Il est difficile de corroborer son histoire, car elle est la seule à être revenue. Comme d'habitude, Sean ne dit pas un mot et fuit mon regard. Elle n'a aucune envie d'être ici, mais Strohmeyer a réclamé une autre évaluation. Sean n'est ni obstiné ni malhonnête, mais dès qu'elle en a l'occasion, elle préfère garder le silence. Elle a du mal à communiquer, y compris avec les médecins. Catherine Sean manque de caractère. Elle est facile à tyranniser et à malmener. C'est une petite souris effrayée qui ne veut pas bousculer. Que je ne veux pas bousculer, pardon. Alors nous attendons que le temps passe en silence. Guy Conrad. Conrad est mort. Il a réduit son cerveau en bouillie avec un VRM Mazer à l'issue du neuroscan ARC. C'était manifestement un adepte de la continuité qui s'est suicidé pour avoir sa place à bord de l'ARC. Sa mère. Ça, c'était sûrement Jean-Louis, le psychologue, hein, qui a fait tous ces rapports. Ça bouge pas par là. Je suis tellement paumé, là. Ok, là, on est revenu ici. On a fait un bon tour, hein. Sûr que moi je veux juste péter ça. Est-ce vraiment trop demandé pour exploser cette fenêtre? Ok. Et merde. Saute. Rentre. Cool, Brandon One. Ok. Ok, on a le truc. On a le truc. Faut pas qu'on crève maintenant. Faut pas qu'on crève maintenant. C'était par où? Ensuite, c'était par là-bas. Comment ça marche? Insérer la puce de connexion. Ça s'en sert où? There's something not hooked up right. Oh.
Sa mère. Je suis mort. Putain, j'avais réussi, maintenant je suis mort. Jump. Rentre. Mais rentre dedans, non, sérieux, le mec qui rentre. Yes. Non, sa mère. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça a pas marché? J'arrive pas à lire. Je l'avais la puce et il l'a sorti, donc il faut bien que j'interagisse avec. Oh la vache, il m'a mis une beigne. Il m'a mis une beigne, ça veut dire que ça va être encore plus dur. Il passe du mauvais côté. J'ai activé les deux leviers déjà. On a un petit peu avancé. Ah shit. Pourquoi ça fait rien? Non, faut pas que tu aies le droit de rentrer là, par contre, il y a des éléments d'histoire et tout. Oh, les mecs, sérieux. Ah, c'est ici, d'accord. C'est là-dessus qu'il faut que je mette le truc. Ok. Ok. Verrouillé. Contrôle clé. Puce de connexion mise à jour. Puce prête à l'emploi. Déverrouiller les portes. Système défaillant. Limite active. Ah d'accord, je peux déverrouiller des trucs comme ça. Ok, c'est quoi les trucs qui m'intéressent là? Stockage déverrouillé, administration Omega. Oh ta mère, t'as pas le droit d'entrer ici, c'est interdit. Non. Il y a des éléments d'histoire, mec. Moi, je vais pouvoir les regarder après. Je vais mourir. Oh putain! J'ai rien pour me cacher derrière, alors c'est de la triche. Putain.
fous de ma gueule. Ah d'accord, il faut que je verrouille les autres trucs. On verrouille la salle d'examen, on verrouille le cabinet. Le laboratoire médical, si tu veux. La sécurité. Ah, c'est là où je suis. Du coup, je peux verrouiller la porte. Ah bah cool. Je comprends bien pourquoi il y a des éléments d'histoire. Administration Omega. Du coup, j'ai déverrouillé un truc qui était verrouillé avant. Cool. Coffrage, j'y suis déjà allé. Salle de conférence, j'y suis déjà allé. Du coup, on s'en fout. Merde, il y en avait un où il y avait un truc pour se soigner qui était bien. Je m'en fous, je vais verrouiller les portes. C'était où? C'était pas le cabinet du médecin. J'ai verrouillé l'appart. Oh, bon, je vais regarder le sol quand même, c'est bon, j'ai pas mal. Eh oui! Eh oui, ça ne marche pas. Voilà, dégage. Alors, du coup, j'ai déverrouillé l'administration Omega. Moi, je crois que c'est ça où je voulais aller, hein, mais je suis pas sûr. Enfin, bref. Il y avait un truc qui était bien. Je sais pas. Bon, en tout cas, là. Faut que je prenne comme ça, là, et que j'aille là. Ok, d'accord, super. Gros stuff. Je sais plus lequel était bien. Bon, dans le doute, on va laisser ça comme ça. On va juste regarder les trucs d'histoire. Tant que la... Putain, la chaise maudite, quoi, sérieux. Allez. Hop, 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 hop. Sérieux? Foutage de gueule. Oui! I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like shaking atoms? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll loop back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle, we'll be ready to go. Are you sure about this? Pour l'instant, il y a l'autre qui me bave dans l'oreille, là. Checklist, survivre au projet ARC, empêcher les gens de se tuer, envoyer C et l'équipe, assurer la sécurité de tout le monde, profiter de la suite de l'apocalypse. C'est pas ouf. Akers n'est pas seul. Au moins 3 créatures proxy vérifiées et condamner les portes. Descendre à l'étage inférieur, navette vers Omicron. C'est tous les gens qui se sont fait éliminer au fur et à mesure, c'est ça? Bon. Du coup, il va falloir que je déverrouille ça quand même à un moment donné, là. Contrôle-clé, message de sécurité, alerte, répartition, corrompu, tout ça, tout ça. Une énorme fuite de gel structurel a permis au VO de prendre le contrôle du Dunbat. Une quarantaine a été décrétée pour éviter le pire. Nous n'avons vraiment pas besoin d'une machine intelligente de plus. Exact. Plus prête à l'emploi. On va attendre que lui fasse sa petite ronde là pour revenir ici. On reprendra la puce, enfin la clé là, qu'on a mise à jour. Et en avant. Là il part vers là, ok. Et moi, du coup, je pars comme ça. Je vais tout droit, tout droit, tout droit. Pendant 2 croisements. Et ensuite, je tourne à gauche.
un croisement, je tourne à droite. Et encore à proximité. Tout droit, tout droit, tout droit, deux croisements. Gauche, un croisement à droite. C'est tellement compliqué. Ah non, mais attends, mais ça là. Ah, c'était pour... Ça, c'est là où j'ai chopé la clé. Ok, c'est bon, je comprends. C'est là où j'ai chopé la clé, c'était pour... C'est là où j'ai pété la vitre. En fait, on s'en fout. Donc en fait, après mieux réflexion, on s'en fout. Donc ça, par contre, je vais libérer parce que ça me fait deux accès. Ça me fait deux accès. Ça et ça, on s'en fiche, c'est des pièges. Lui, je vais le garder verrouillé parce que du coup, je peux passer par la fenêtre. Donc limite, ce que je peux faire, c'est retourner là, me protéger, ce que j'ai fait déjà deux fois. Ensuite, je vais là. Ok. Ok. Parce que tout ce qui est intéressant là, c'est que j'ai la nouvelle clé. Ok, ok. Bon, on prend un petit peu de temps là, on prend un petit peu de temps pour poser le plan parce que c'est pas non plus évident. Je suis pas dans le meilleur des états. Il va falloir agir vite et bien. Ok, on a déverrouillé. On reprend la clé. On a mis à jour la clé. On a mis à jour la clé. On s'en fout. On y va! Un carrefour. Deux carrefours. Trois carrefours. Et on tourne par là. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Putain, il me rattrape, il me rattrape, il me rattrape complètement. Putain, il y a plus de lumière ni rien. C'est de la merde. Putain, je suis pas aussi. Complètement trompé de chemin. Je suis où ? Je suis pas du tout au bon endroit. Il y avait des plantes. Je sais plus où elles sont. Mais non, ça par contre c'est de la merde. C'est de la merde en barre. Le coup du le monstre qui est à côté de toi là, c'est une grosse blague. Je sais même pas où je suis là. Oh merde, il y avait un truc pour me soigner ici, je l'ai verrouillé. Bon, ça c'est ma faute. Je retrouve pas mes marques. Ah ici il y avait un truc pour soigner. Ah, tout droit. Ok, au moins il ne tuera pas. Enfin, pas directement. Okay. Je crois que c'est lui là-bas. De nouveau ici. C'est la merde. C'était pas sûr, ouais. Sa mère, il est où là? Putain, j'arrive pas à me resituer, sérieux. Pas si compliqué. C'est un cul-de-sac, ça.
Mais oui, c'est un cul-de-sac. C'est la merde. Allez, on va retente. Insérer la puce de connexion. Oui, ok. C'est là que j'insère. Ah! Clé captée. Ça s'ouvre là? Ça s'ouvre ou ça s'ouvre pas? Putain, le mec, ça s'ouvre pas quoi. Il est où? Oh putain! Non! Oh putain, j'ai tellement eu de mal à passer. Ok, j'ai inséré la puce. J'ai inséré la puce. Enfin, m'expliquer pourquoi ça s'ouvre pas. C'est dit oui, faut que tu retournes au bureau pour activer la porte. Foutage de gueule. Lui aussi il commence à s'impatienter, tu sais, en mode. Bon, il l'ouvre et ça part. J'ai pas été payé pour faire autant de rondes. Bon, et je l'ai activé le machin là. Mais d'accord, tout est vert. Elevator. Ah! God damn it! Ouais, je sais pas où je suis, hein, mais. J'aurais peut-être dû aller dans la maintenance, mais je voulais juste changer d'étage. Salle de transmission. Bon sang, on aura du mal! We'll be right back.